Dans les forêts d'altitude du parc national des Pyrénées se cache un oiseau mythique et mystérieux, le grand tétras. Les mâles se rassemblent dans des clairières gardées secrètes pour séduire les femelles avec lesquelles ils vont s'accoupler. Ces espaces ouverts sont appelés également places de champs. C'est là qu'ils s'affrontent, rivalisent de beauté, qu'ils paradent pour séduire les femelles. Les femelles choisiront le plus vaillant pour s'accoupler avec lui et assurer leur descendance. Si la population de grands tétras reste encore importante, la diminution de son espace vital et les dérangements liés aux activités humaines comme les sports de nature fragilisent son avenir dans les Pyrénées, mais également partout en France.